Jennifer Lopez, c'est une artiste américaine qui fête en date en 24 juillet 1969, New York aux États-Unis. Et actuellement copain artiste américaine, c'est Ben Affleck. Après moun sa yo te fin fiancé, jou kite 9 avril 2021, nan contrat avant date en mariage de moun sa yo, Jennifer Lopez exige copain li, qui c'est Ben Affleck, pou li mette sek sou bonbon li, 4 fois pour pipiti nan yon semaine. D'après yon journal dominicain, de moun sa yo ta sou woutan pou yo marié. Après que yo te fin fiancé nan jou ki te 9 avril 2021. Toujours d'après journal dominicain, pour de moun sa yo arrive di oui, gen document avant mariage la ki dwe siyen. Nan document sa ki gen condition atisan Jennifer Lopez fait ak an Ben Affleck kote li mande la pou mete sik an sou bonbon li pou pipiti 4 fois nan yon semaine. D'après médias dominicains qui t'a rapporté information l'autre média international yo li fait connait contrat avant mariage ça pas bayan trop importance à kan causer l'argent ni bien mais c'est plutôt à kan causer mette sik sou bonbon Ben Affleck a gen pour obligation respecter à quoi ça s'il veut marier avec un artiste là. En 2010, Ben Affleck et Jennifer Lopez s'étaient rencontrés et puis tous les deux mouns yo t'est tombé d'amour. 2 ans après deux mouns yo t'est fini rencontré, yo t'a pral séparé 2004. 18 années après séparation yo, deux mouns yo t'est retourné encore et deux mouns yo pas trop loin pour yo marier. Mais si Ben Affleck t'a besoin Jennifer Lopez pour madame li, faut qu'en li t'a mette sik sous bonbon artiste là 4 fois pour pipiti dans une semaine. Jeudi qui était 21 avril 2021, la justice américaine dans l'État Texas t'a exécuté Karen Wayne qui c'est personnage qui n'a gardé dans image là qui gagne 78 ans l'année sous tête li. Personnage ça c'était un nan pi ancien prisonnier dans pays États-Unis. Karen qui gagne 78 ans l'année sous tête li t'es condamné tout pour plusieurs autres actes en malhonnête. C'est dans le mois de juin 1990, pendant une intervention pour une violation trafic en Houston, que Karen t'a tiré et pitouillé policier James Ebi. Papa Karen, c'était un alcoolique, c'est-à-dire un tafiaté et il était brutal en pile. Avant même la justice américaine dans l'État Texas, t'es arrivé passé personnage ça à l'infinitif, l'était déjà condamné 13 fois déjà. L'était en liberté provisoirement pour un attaquant sexuel l'était fait sur un petit monde. Et toujours sous ça qui gain rapport avec en justice américaine dans l'État Texas, dame ça qui nous est qui chita avec Timonio, li pral la passer à l'infinitif mercredi 4 27 avril là cap vini là. Non li, c'est Melissa Lusso, li genye 50 de l'année sous tête li. Côté dame sa, te arrivé genyon nan timouni yo ki te moui, la justice américaine te akize li, ke se li même ki te arrivé touye timoun sa nan l'année 2007. Et timoun sa, se yon ti fi ke li te ye, el te gen de l'année sous tête li. La justice nan état Texas nan pays États-Unis a bien pou passé dame sa à l'infinitif mercredi 27 avril la kap vini la. Sa vle di dame sa gen pou mouri.